Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Au programme de ce soir, je vous propose un pari sur la rencontre Los Angeles-Minnesota. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos d'analyse, de me mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et de me mettre en commentaire vos pronostics pour les matchs de la soirée. Dans cette vidéo, je vais vous partager un échantillon des paris que j'envoie dans le groupe privé et si vous souhaitez recevoir l'intégralité de mes pronostics, vous avez le lien pour vous abonner dans la description. Vous pourrez aussi retrouver dans la description un lien vers mon bilan détaillé depuis 2017, largement positif et qui regroupe les milliers de paris que j'ai pu valider, que ce soit sur les résultats des matchs ou les performances joueurs. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre dans le groupe privé. Pour cette vidéo, je vais m'appuyer sur les codes du bookmaker PS3838, qui est aussi appelé Pinnacle et qui est l'un des bookmakers qui propose les meilleures cotes du monde. Quand vous faites des paris, c'est extrêmement important d'essayer d'aller chercher la meilleure cote possible. Donc, si vous voulez vous aussi profiter de ces mêmes cotes et augmenter vos gains dans les paris sportifs, vous avez là encore dans la description des liens pour vous inscrire sur le broker Asian Connect qui vous donnera accès à PS3838 ainsi qu'une vidéo tuto pour ceux qui souhaitent voir pas à pas les étapes de l'inscription. Et maintenant, c'est parti pour les analyses. Et le pari du jour va porter sur Anthony Davis, le pivot des Los Angeles Lakers. Donc ça sera un Anthony Davis à plus de 2,5 passes décisives qui est à 1,57 sur BetClick. Et je vous proposerai une petite variante après. Parce que j'ai envoyé le pari, je sais plus, hier ou avant-hier dans le groupe, qui était à 1,60 sur Winamax. Et la cote est passée à 3,5 hein, sur quasiment tous les books. Il y a encore seulement BetClick qui est à 2,5. Donc pour ceux qui regarderaient peut-être la vidéo un peu tard ou si le cut aurait changé entre temps, je vais vous proposer une variante après. Donc je trouve le pari plutôt intéressant donc face à Minnesota. Donc comme vous voyez un petit peu les stats, je vous ai mis hein, sur les derniers matchs de la saison 2023-2024. Donc c'est saison régulière, hein. J'ai pas pris les playoffs, j'ai pris la saison régulière. Anthony Davis est à 60%. Sur les 5 dernières confrontations face à Minnesota, il est à 80%. Et comme vous pouvez le voir, notamment la saison dernière, il y a eu 4 rencontres. Il est à 100%, 4 sur 4. Il fait 3, 5, 8, 4 passes décisives. Sachant que le dernier match hein, où il fait seulement 3 passes décisives, il est fait en 12 minutes. Il se blesse pendant la rencontre. Donc c'est plutôt pas mal. On a la moyenne de sa saison hein, 2023-2024 qui est à 3,5. C'est assez. C'est pour ça hein, que je trouve le cut beaucoup trop bas et que notamment bah, pas mal de books sont déjà passés à 3,5. Et le pourcentage de réussite sur la saison 2023-2024 sur le over 2,5 passes décisives, il est à 66%. Et je vous ai mis une stat complémentaire que je trouve au final plus intéressante. C'est que la saison dernière, à domicile, avec LeBron James, parce qu'Anthony Davis fait quand même moins de passes décisives quand LeBron James n'est pas là, donc la présence de LeBron James a son importance, il est à 71% de réussite, donc 27 sur les 38 matchs à domicile avec LeBron James la saison dernière. On a Anthony Davis pardon, qui tourne à 35,5 minutes par match la saison dernière. Et je vous ai mis ça parce que bah, si vous pouvez checker un petit peu, je vous mets une capture d'écran des matchs de pré-saison de Anthony Davis. Et vous avez là tout à droite, dans la colonne assise, bah, le nombre de passes qu'il a fait sur les 4 rencontres de pré-saison. Alors pour ceux qui ne savent pas, hein, en pré-saison, généralement les joueurs jouent quand même pas mal de temps en moins, généralement ça joue la première mi-temps et un petit peu le troisième quart-temps, ça a des matchs amicaux, hein, ça fait les coachs font un petit peu tourner l'effectif. Donc on peut voir que bah, sur les rencontres, donc on a le 6 octobre, Lakers face à Phoenix, Anthony Davis joue seulement 18 minutes, il fait 3 passes décisives. Le match après face aux Lakers, 25 minutes de temps de jeu, une passe décisive. Bon là je pense que le cut ne serait pas passé sur ce match, à voir. Hein, mais Lakers Golden State, 26 minutes de temps de jeu, 2 passes décisives. Donc là si on lui en rajoute 10 minutes, on peut imaginer qu'il fait une passe décisive de plus. Et la dernière rencontre, où là, Anthony Davis a un gros temps de jeu face à Phoenix, le 17 octobre, 34 minutes de temps de jeu et 4 passes décisives. Donc, des stats quand même plutôt sympas pour un over 2,5 avec une cote à 1,57. Et l'alternative, ça sera bah, un petit peu similaire, mais on sera sur du Anthony Davis à plus de 27,5 points passe décisive à 1,76. Donc là, vous l'avez encore sur BetClick et sur Unibet. On a des stats qui sont un petit peu plus basses, forcément, la cote est un petit peu plus élevée, il y a moins de réussite qui le passe. On est à 50% des matchs la saison dernière, donc sur les 10 dernières rencontres. Notamment parce que bah, ce match-là, comme je vous l'avais dit, bah, c'est l'un des derniers matchs de la saison. Là, par contre, bah, Anthony Davis, vous voyez, ne fait que 7 points passes, mais comme je vous l'avais dit juste avant, il se blesse pendant la rencontre, il ne joue que 12 minutes. Après, sinon, si vous pouvez voir, il fait 32, 41 et 35 face à cette même équipe de Minnesota et notamment Rudy Gobert, le pivot de Minnesota.
Et si on remonte sur la saison 2022-2023, où il joue deux fois contre Minnesota, là aussi, alors je ne sais plus le nombre exact, mais il passe le cut du 27,5 points passes sur les deux rencontres. La moyenne sur la saison, on est à 27,9 points passes. Pourcentage de réussite globale sur la saison 2023-2024, 58%. Et comme vous pouvez le voir, là, pareil, comme je vous disais, si on check un petit peu plus le contexte précisément, à domicile avec LeBron James, 66%, 25 sur 38. Et je vous raffiche un petit peu les stats que je vous avais montré déjà sur la pré-saison. Gros Anthony Davis hein, sur les deux dernières rencontres d'un point de vue offensif, puisqu'il met 35 points en 34 minutes face à Phoenix, plus les 4 passes décisives. Et face à Golden State, 24 points en 26 minutes, plus les 2 passes décisives. Donc là, on peut se dire que logiquement, s'il y a 26 minutes de temps de jeu, il finit à 26 points passes. On peut imaginer à 28 points passes avec 10 minutes de temps de jeu en plus, hein, parce qu'il joue. Que je vous l'ai montré juste avant, à peu près 35-36 minutes par match. On peut s'attendre à un match quand même serré puisque c'est à domicile pour les Lakers. Donc voilà pour le pari que je vous propose. Donc soit partir sur l'un ou l'autre, ou alors si vous misez, je sais pas, 1% de votre BK, bah peut-être splitter le 0,5% sur les passes et 0,5% sur le point passe. Je vous conseille plutôt, voilà, de soit partir sur l'un ou l'autre, ou de diviser, mais de pas forcément mettre 1% sur un et 1% sur l'autre. On sait jamais si Anthony Davis se blesse, ça ferait sauter deux paris d'un coup. Donc voilà pour le pronostic de cette vidéo. Et puis moi je vous dis à demain. Salut tout le monde.